années, je travaille sur le carnaval des Deux Rives avec le Rocher Palmer, Musique de Nuit, la Rock School Barbet, tous les partenaires des carnavals des Deux Rives. Donc ça fait plusieurs parades et là cette année, cette parade Urban Ballet 2013, le thème c'est l'Afrique du Sud. On a travaillé sur les couleurs de l'Afrique du Sud, sur les musiques de l'Afrique du Sud, sur les danses de l'Afrique du Sud. Et la compagnie Via Cat Leong qui nous a rejoint, voilà, qui est venue de Johannesburg pour apprendre aux danseurs la danse Gambut, leur danse traditionnelle. Et nous, avec la compagnie hors série, on emmène une danse hip-hop avec Franco, avec Frédéric Nola et moi-même. Un, deux, trois. En fait, ce projet va se passer dans quatre pays. Il se fait ici même à Bordeaux, après il se fait à Santa Maria, au Portugal. Il va continuer à Belfast, là, en Irlande. Et puis il va se terminer à Grahamstown, en Afrique du Sud, au mois de juillet. De musique avec Joe Sanders et Douda, des préparent la musique, ils ont confectionné des instruments. Parade sur l'ouverture, le mélange des danses, le mélange des genres, mais je me suis dit que c'était un bon endroit là où on pouvait aussi apprendre des bases de danse. C'est pour ça qu'on avait tout concentré sur la danse hip-hop, et puis ça permettait après une ouverture vers d'autres danses. Excusez-moi, 5, 6, 7 et 8, pam pam pam, 7 et 8, pam 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 pam, voilà, merci de m'aider. Ça c'est bon ça. Et les parades on les fait depuis 99, donc c'est quelque chose qui est construit avec des cycles chorégraphiques voilà, que l'on répète sur une distance de 5 km. Voilà, donc le carnaval c'est 4 heures de parade, c'est très lent, très intense, donc il faut les préparer à type de public, des passionnés, des gens qui débutent, des gens qui ont l'habitude de danser. Donc, c'est un moment fort de partage, c'est un grand workshop sur la semaine. Et voilà, c'est fédérateur, ça construit. Voilà. Merci de m'aider. Ça, c'est bon, ça. Attends.